jardin sur la route. C'est une jolie rose qui sent super bon. Tomates, melon, pastèque. Ils plantent ça aussi, je sais pas comment ça s'appelle en français. Magnifique, avec de l'eau à gogo à fusion. Ils plantent de tout. Les élèves des poissons dans le bassin. Un champ de melon. Trop frais. Oh, il y a une rivière. Trop bien. Ça, c'est la famille avec laquelle je fais la route entre Herat et Kaboul. Donc là, on en est au jour 2. On a passé toute la journée hier pour arriver jusqu'à Kandahar. Et là, dès le matin, super tôt, on a pris la route pour aller vers Kaboul. Alors, pour ce qui est des checkpoints, il y en a eu pas mal. Et quand ils voient que la voiture est remplie de femmes, ben, ils nous laissent passer. Pas de contrôle d'identité, c'est libre, c'est free, c'est trop bien. Là, c'est un exemple de route pétée, cassée par les bombes, je sais pas par qui, les talibans ou autre. Donc ce qui fait qu'il faut toujours faire un détour. C'est pas des dodanes là, c'est des trous. Mine explosion by the Taliban. De la laine. Beaucoup de laine. Ici c'est l'anarchie, hein. Il n'y a aucune règle de conduite, c'est n'importe quoi. Catastrophe. Oh là 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 là. Déglingué. On voit sur la route. Les routes sont pétées, donc ce qui fait que les 500 km, oula, vous entendez, au lieu de faire les 500 km, je sais pas en combien de temps, bah là on les fait en 12 heures. C'est un enfant qui conduit la moto, c'est normal ici. Hein. Il a peut-être 11 ans, bah, peut-être 60% de la route, 70%, il n'y a pas internet. C'est le bordel à l'entrée de Kaboul, c'est n'importe quoi. On a mis là presque une heure pour faire quelques kilomètres. Il y a des voitures renversées, il y a des voitures en panne en cours de route.